radio Haïti Relation, Relation de connexion. Mesdames et messieurs, je suis Hervé Gilbert de Haïti Connexion Network. Bienvenue à notre édition spéciale consacrée aujourd'hui au décès prématuré de l'ancien président à vie d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, ou Bébé Doc, survenu le 4 octobre 2014. L'homme qui a dirigé Haïti pendant plus de 15 ans, le digne héritier du duvalierisme à la mort de son père, Papa Doc. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. L'ancien président Jean-Claude Duvalier, surnommé Bébé Doc, est décédé le samedi 4 octobre 2014, apparemment des suites d'une crise cardiaque, selon ce qu'ont annoncé les autorités haïtiennes. Il était âgé de 63 ans. On avait tenté vainement de le réanimer, selon la ministre de la Santé, Florence Guillaume Duperval. Un hélicoptère ambulance requis par la famille n'avait pas eu apparemment le temps de le transporter. Jean-Claude Duvalier fut président de la République d'Haïti de 1971 à 1986, après le décès de son père François Duvalier, surnommé Papa Doc. En avril 1971, il devient président à vie d'Haïti de 1971 à 1986, devenant ainsi le plus jeune chef d'État au monde. Après sa prise de pouvoir, il introduit des changements politiques par rapport au régime de son père, et il délégua beaucoup d'autorité à ses conseillers alors que des milliers d'Haïtiens étaient assassinés ou torturés et que des centaines de milliers d'autres quittaient le pays vers de diverses destinations, la plus proche étant la République dominicaine, pays auquel le dictateur vendait les Haïtiens comme coupeurs de canne sous le couvert de contrats fallacieux. Qui gouverne Haïti aujourd'hui, me demandez-vous? Je vous réponds que c'est Jean-Claude Duvalier, successeur constitutionnel de feu au docteur François Duvalier, toutes les forces nationales appuient mon gouvernement et je suis aidé dans ma tâche par un cabinet ministériel, un conseil de gouvernement, une armée et une milice qui font bloc autour de ma personne. En un mot, je continue l'exemple donné par mon père dans le combat de tous les héros qui m'ont précédé dans la lutte pour le maintien de notre indépendance politique et économique. Au cœur de toutes les... la politique intérieure, il est bien entendu que nous prendrons des mesures pour améliorer la condition des travailleurs, répartir les revenus d'une manière encore plus équitable et parachever l'œuvre de mon père. Élever le niveau de vie des classes moyennes et apporter tout le concours nécessaire aux populations de l'arrière-pays. Ici, il suffit de consulter le Code du travail François Duvalier et tous les organismes qui en découlent pour saisir l'ampleur de la révolution sociale qui s'est accomplie depuis 1957. Sa dictature fut marquée dans les premières années par une certaine volonté de détente et d'apaisement, Bébé Doc ayant donné quelques gages de bonne volonté démocratique. Il rétablit les relations du pays, quelque peu froides, sous le régime de son père avec les États-Unis et la République dominicaine, et sa présence à la tête de l'État haïtien vit la reprise de l'aide internationale en faveur d'Haïti. Duvalier détenait un pouvoir quasi absolu que lui attribuait la Constitution. Il commença petit à petit à entamer les réformes du régime politique de son père,
en libérant des prisonniers politiques et relâchant la censure de la presse. Il n'y a pas eu toutefois des changements radicaux en profondeur, car l'opposition n'y était pas tolérée et le régime restait autoritaire. Le leitmotiv revenant sans cesse dans ses discours, mon père a fait la révolution politique, moi je ferai la révolution économique, s'est révélé un échec total dans la perspective d'un réel développement économique en Haïti durant sa présidence. Jean-Claude Duvalier fut chassé du pouvoir en 1986 après une révolte populaire le 7 février 1986. Il remet les rênes aux mains de la soldatesque haïtienne et quitte Haïti à bord d'un avion de l'US Air Force. Il atterrit à Grenoble en France. Après ce départ précipité du dictateur en Haïti, les maisons des partisans de Jean-Claude Duvalier sont pillées sous le couvert du phénomène connu sous le nom de créole de déchoucage ou déracinement en français. Une foule chauffée à blanc s'en prend au mausolée de Papadoc qui est détruit à coups de pierre et à main nue. Le cercueil est tiré de la tombe, la foule danse dessus puis le met en morceaux. Elle s'empare du corps du dictateur pour le battre de manière symbolique. La tombe du fameux garde du corps de Papadoc et bébé Doc, Jacques Gracia, fraîchement enterré soit 9 mois avant, est aussi saccagée. Pendant cette journée de déchoucage, on dénombre une centaine de victimes, essentiellement des tontons macoutes. Le gouvernement Doc instaurait un couvre-feu dans l'après-midi en vue de freiner ce chambardement. Le 8 février 1986, le nouveau gouvernement libère les prisonniers politiques. Monsieur le lieutenant général Henri Nanfi, président du Conseil national de gouvernement, va donner lecture de la proclamation du jour. Conseil national de gouvernement, proclamation. Depuis bien des mois, notre pays connaît une situation exceptionnellement grave qui, loin de s'améliorer, a fini par le placer en face d'un péril imminent menaçant jusqu'à l'intégrité de la nation. Dans toutes les provinces, ce sont des manifestations populaires au cours desquelles le manque de maîtrise des uns ou l'incompréhension des autres a maintes fois occasionné d'innocentes victimes et fini par créer un état d'agitation qui, tout en faisant miroiter le spectre effrayant de la guerre civile, paralyse presque la vie nationale. Des événements malheureux et non moins regrettables ont été enregistrés ici même à la capitale, où les activités sociales et économiques ont atteint un ralentissement vraiment inquiétant. Une véritable psychose angoisse encore les esprits. Les institutions gouvernementales, qui ne s'harmonisaient plus déjà aux besoins de l'État, ont fini par s'effondrer, laissant le pays au bord de l'abîme. À la suite de la démission et du départ pour l'étranger de l'ex-président Jean-Claude Duvalier, les forces armées d'Haïti, pleinement conscientes de leur mission de défendre l'intégrité du territoire national, responsables du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, ainsi que de la paix, ont dû, pour la sauvegarde et la préservation du patrimoine national si sérieusement menacé, ont formé un Conseil national de gouvernement. Les forces armées d'Haïti réitèrent à la nation que
maintenant plus que jamais, elles ne nourrissent aucune ambition politique et demeurent au service des intérêts supérieurs de la patrie. À toutes les puissances étrangères et amies, aux institutions internationales auxquelles la République d'Haïti est liée par des traités, accords et conventions, le Conseil national de gouvernement donne la garantie formelle de respecter les 10 engagements. À tous, nationaux et étrangers qui habitent le territoire, le Conseil national de gouvernement exprime l'assurance parfaite du respect des droits humains. Nous lançons un pressant et patriotique appel au calme, à la pondération et à la sérénité de tous, afin que, par des mesures appropriées, la paix et l'ordre puissent être vite rétablis. Condition indispensable au déroulement harmonieux de la vie nationale. Le Conseil national de gouvernement compte fermement sur le concours loyal et désintéressé de tous les Haïtiens sans distinction aucune. Vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Fait Palais national ce 7 février 1986. Lieutenant général Henri Nafi, Forces armées d'Haïti, président. Colonel William Regala, Forces armées d'Haïti, membre. Colonel Max Vallès, Forces armées d'Haïti, membre. Ingénieur Alix Sideas, force membre. Monsieur Maître Gérard Goug, membre. Colonel Prosper Avril, Force armée d'Haïti, conseiller. Merci beaucoup. Les Duvalier s'installent en France. Pendant un certain temps, ils vivent une vie de luxe et de faste, bien que n'ayant jamais obtenu officiellement l'asile politique. Leur demande est rejetée par les autorités françaises. Jean-Claude Duvalier perd l'essentiel de sa fortune après son divorce d'avec Michel Bennett en 1993. Depuis, menant une vie apparemment modeste en exil, Duvalier continue d'avoir des partisans qui créent la Fondation François Duvalier en 2006, visant à promouvoir les aspects positifs de sa présidence. Cette fondation comprend la création d'institutions d'État pour améliorer l'accès à l'éducation pour la majorité noire du pays. Le 16 janvier 2011, il s'embarque à bord d'un avion d'Air France et rentre en Haïti après 25 ans d'exil avec sa nouvelle compagne Véronique Roy. Il atterrit à Port-au-Prince et déclare aux journalistes qu'il revient pour aider le peuple haïtien. En Haïti, des experts et des militants de droits de l'homme estiment que ce retour était en réalité lié à une loi suisse, qui doit entrer en vigueur le 1er février. La loi sur la restitution des avoirs illicites, surnommée l'ex Duvalier ou loi Duvalier, qui inverse la charge de la preuve. Celle-ci permettrait à la Confédération suisse de restituer un compte bloqué de 4 millions de dollars au gouvernement d'Haïti, même sans demande officielle des autorités judiciaires de ce pays. En retournant en Haïti, Duvalier aurait souhaité démontrer que l'absence de poursuites n'était pas due à sa fuite du pays, mais au fait qu'on n'y avait rien à lui reprocher et que ce compte bloqué lui appartenait légitimement. Cependant, il faut aussi souligner que c'était un autre Jean-Claude Duvalier qui était retourné en Haïti après 25 ans d'exil. On a revu un homme amaigri, frêle, ayant une démarche beaucoup plus lourde qu'autrefois. Apparemment, il ne semblait pas en bonne santé. Le 18 janvier, il est interpellé dans son hôtel puis auditionné au palais de justice avant d'être remis en liberté avec interdiction de quitter le pays. Jean-Claude Duvalier, tenu responsable par des organisations internationales de défense des droits de l'homme de la mort de milliers d'opposants sous sa présidence entre 1971 et 1986, est en outre
accusé par les autorités d'Haïti de plus de 100 millions de dollars de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, de vol et de corruption. Après trois refus de comparaître, il se présente pour la première fois devant la cour d'appel de Port-au-Prince le 28 février 2013. En février 2014, une instruction supplémentaire est ouverte contre lui, ce qui pouvait aboutir à une mise en examen pour crime contre l'humanité. La nouvelle de la mort de Jean-Claude Duvalier est tombée comme un couperet ce samedi 4 octobre. Cette information a provoqué des réactions partout dans le monde. Elles ont été nombreuses et parfois polémiques. Pour certains, c'est un soulagement que le dictateur ne soit plus de ce monde. D'autres éprouvent un regret qu'il n'ait pas pu répondre de ses crimes devant la justice. Certains internautes sur Facebook et Twitter ont insulté sans ménagement Jean-Claude Duvalier et ont profité de sa mort pour rendre hommage aux personnes disparues sous son régime. Quelques rares nostalgiques de la dictature ont, eux, à l'inverse, exprimé leur regret suite au décès de l'ancien président à vie. Pour Alex Fizeme, l'annonce du décès de l'ancien dictateur laisse un goût amer. Il dit regretter beaucoup qu'il soit mort avant la fin du processus judiciaire. Son histoire, dit-il, est noyée dans l'océan de crimes que les Duvalier père et fils ont commis. Beaucoup de gens se posaient la question si Jean-Claude Duvalier aurait droit à des funérailles nationales. Quant au président Michel Martelly, à l'annonce de la mort de Bébé Doc, dans sa première déclaration à la presse, il considère Jean-Claude Duvalier comme étant un citoyen authentique et évoque la possibilité de tenir des funérailles officielles pour ce dernier. En fin de compte, l'ancien dictateur n'a pas eu de funérailles nationales après qu'une source gouvernementale eût affirmé que Bébé Doc devrait se contenter de funérailles non officielles, ce que devait confirmer par la suite l'avocat du défunt renchérissant sur un service simple et privé devant avoir lieu le samedi 11 octobre. Plusieurs centaines de personnes, nostalgiques mais aussi détracteurs du régime duvaliériste, ont assisté ce samedi 11 octobre aux funérailles célébrées dans la petite chapelle de l'école congréganiste de Saint-Louis-de-Gonzague, ancienne école de l'ancien dictateur. Les gens se sont recueillis devant son cercueil, recouvert du bicolore haïtien, avant d'offrir leurs condoléances à la conjointe du défunt, Véronique Roy, son ex-femme Michel Bennett et leurs deux enfants. Des membres de l'élite haïtienne, dont d'anciens ministres et de sympathisants du régime Duvalier, sont arrivés dans de luxueux véhicules utilitaires sport, se joignant à des citoyens plus modestement vêtus. Les bancs de la chapelle de l'église Saint-Louis-de-Gonzague de Port-au-Prince étaient complètement remplis. Des représentants du président Michel Martelly et du premier ministre Laurent Lamothe, présentement en mission à l'extérieur du pays, avaient été remarqués. Les anciens présidents Boniface Alexandre et Prosper Avril étaient présents à la cérémonie. Qu'ils ne reçoivent pas l'honneur de funérailles nationales est une petite victoire sur plusieurs aspects pour les opposants au régime Duvalier, a expliqué Alex Dupuis, un sociologue né à Haïti qui enseigne maintenant à l'université Wesleyan au Connecticut. Lui faire des funérailles nationales aurait peut-être envoyé le message que son régime était endossé plutôt que condamné, croit-il. Au cours du service, d'anciens ministres de l'ancien dictateur ont évoqué l'un des plus grands présidents du pays sous des applaudissements nourris, alors que d'autres ex-barons du régime rappelaient ses réalisations pendant 15 ans. Un homme en pleurs, les bras en croix, a lancé. Duvalier est parti, il n'a pas eu le temps de nous donner des mots d'ordre, a-t-il regretté. Une dizaine de jeunes portant des t-shirts rouges ont chahuté le cortège funèbre à la sortie de la chapelle. Duvalier est un criminel. Il n'ira pas au paradis. Brûlez Duvalier, décapitez-le, ont-ils crié. Il faut apprendre à oublier. C'est le moment du pardon, certes. Il y a eu des victimes sous Duvalier, mais Jean-Claude a-t-il été l'auteur des crimes? S'est interrogée Marie Ludy, artiste de 29 ans. Il ne faut pas continuer à diviser le pays, a-t-elle ajouté. Il n'y a pas eu de manifestants à l'extérieur de la chapelle, mais des victimes de son régime ont organisé une manifestation assise aux anciens quartiers généraux de son parti, où certains ont scandé. Feu éternel à l'âme de Jean-Claude Duvalier. Feu éternel à l'âme de Jean-Claude Duvalier. La mort de l'ancien président Jean-Claude Duvalier, surnommé Bébé Doc, a provoqué des réactions partout dans le monde ce samedi 4 octobre 2014. Selon plusieurs observateurs, la mort de Jean-Claude Duvalier a privé les Haïtiens
d'un procès de droit humain qui aurait pu être le plus important de l'histoire du pays. Que Duvalier ne puisse pas répondre de ses crimes commis sous son régime est un regret partagé par tous les défenseurs des droits humains en Haïti comme à l'étranger. La fin d'une saga, la fin de l'ère duvalierienne, la fin d'une époque, la fin du duvalierisme. Autant de manchettes qu'on peut lire dans les journaux à la mort du dictateur qui a subi dans les jours précédant sa mort, dans sa propre maison, loin de ses gardes de corps, la piqûre d'un arachnide venimeux qu'il avait forcé à passer 2 semaines à l'hôpital, selon notre confrère le Nouvelliste, ironie du sort. Ces victimes mortes sont peut-être en train de se retourner dans leur tombe parce que justice ne leur a pas été rendue. D'autres vivantes, elles, se voient contraintes de se demander si jamais elle leur sera rendue en face d'un système judiciaire qui ne semble pas à la hauteur de sa mission. Il n'en reste pas moins que le peuple haïtien vient de finir un chapitre avec le passage dans l'au-delà de Bébé Doc Duvalier. Voilà, c'est la fin de notre tour d'horizon sur Jean-Claude Duvalier. Cette réalisation était possible grâce au support technique de notre éditeur Carl Gilbert et de votre serviteur au microphone Hervé Gilbert. C'est une production de Haïti Connexion Network. À la prochaine.